Aujourd'hui, c'est un rhododendron qui est honoré par le nom de Georges Truffaut. Il faut savoir que c'est une plante importante, historique et familiale. Georges Truffaut développa de grandes cultures de rhododendrons dans les pépinières du Chênay qui se situent à l'ouest de Paris. Baptiser ce rhodo Georges Truffaut, pour nous, c'était important et ça méritait aussi d'avoir une plante d'une qualité remarquable. Et nous devons remercier les pépinières Bruns en Allemagne qui nous ont offert une de leurs plus belles créations de rhododendrons qui va nous permettre à la fois d'honorer la famille Truffaut et à la fois de faire plaisir à tous les jardiniers d'aujourd'hui. Georges Truffaut nous a transmis plusieurs choses, un savoir-faire important au niveau du végétal, mais surtout une notion de passion des plantes et de partage des expériences au jardin. Nous sommes persuadés que Georges Truffaut aurait été ému s'il avait pu effectivement voir cette variété de rhododendron qui est exceptionnelle. Et pour être exceptionnelle, elle devait avoir aussi des parents d'exception. Donc on va retrouver d'un côté le rhododendron Nova Zambla qui est bien connu pour sa résistance des températures extrêmes. Et de l'autre côté, un rhodo Yakushimanum Doppler qui lui a apporté la qualité de son feuillage et surtout le coloris rouge lumineux de la fleur. Pour tous les passionnés de jardin, avoir un rhododendron Georges Truffaut, c'est posséder une plante exceptionnelle et en même temps avoir un petit morceau d'histoire. La pépinière Bruns est dans la quatrième génération. Nous avons commencé en 1876 et je crois que c'est aussi l'année de Georges Truffaut. Alors il y a quand même des choses communes entre nos deux sociétés. La pépinière Bruns est très connue pour les rhododendrons. Ici, nous sommes dans le parc de Rodeau et c'est mon père qui a commencé ici avec le croisement de Rodeau. C'était 1950. On travaille depuis longtemps avec Truffaut. Nous avons des très bonnes relations et nous sommes aussi très fiers de faire ce baptême avec la maison Truffaut. Et je me rappelle, il y a 30 ans, on a pensé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas créer une nouvelle variété au nom de Truffaut? La création de la variété, ça prend à peu près 15 ans. On commence avec le semis. Après, c'est la sélection de la plante. Et après, c'est la production, ça veut dire la multiplication, encore une fois 5 ans. Pour créer cette rhodo Georges Truffaut, on a essayé de trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui est très joli. C'est très important d'avoir les feuilles saines. Et aussi la résistance aux maladies, c'est aussi très important. Et aussi, on a essayé de trouver une variété très boutonnée avec une fleur qui ressemble avec tous les boutons un peu à une hydrangea. La couleur rouge, je trouve c'est très beau, c'est une couleur qui donne de la chaleur et ça reste un peu plus petit que les autres parce que les jardins aujourd'hui sont aussi plus petits. Georges Truffaut, vous savez, il est né presque la même année, notre pépinière. Il doit être content s'il voit cette couleur et cette variété-là. La passion des végétales, c'est quelque chose de commun de toutes les deux sociétés, de Truffaut et de Bruns. Pour nous, c'est un gros honneur de faire ça à l'occasion du 50e anniversaire de la jardinerie Georges Truffaut. Et je suis très fier que nous travaillions ensemble cette année pour cette occasion.